Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène en balade au château de Rignuissé. C'est le château qui a inspiré le château de la Belle au Bois Dormant. On a la chance d'avoir ça dans la région. C'est un très beau château, forcément, et il est plutôt bien placé au ras d'une rivière. Toujours avertir quand on arrive au feu comme ça. C'est important. Ça pousse à meurtre. Donc petite balade tranquillou le long de la Loire, on va remonter la Loire jusqu'à Langeais. À Langeais, on va traverser pour rattraper Lignières de Touraine, qui est une petite commune au sud de Langeais. Et ensuite, on va filer tout doucement jusqu'à Rignuissé pour arriver au pied du château. Allez, c'est parti. Oh là là, je suis trop fort. T'as qu'à rouler au milieu de la route, quoi. Les gars, je crois pas. Qu'est-ce qu'il fait là? À l'heure, il y a touristes et touristes, quoi. Alors, je vais le passer parce que waouh, ah, il a pas fini là s'il veut vider ça. Je sais pas ce qu'il fait brûler, mais... Mais voilà.
La lumière est magnifique, mais ça caille. Après une heure et demie de route, ça commence à être un peu limite. On va rentrer à la maison, je vais vous montrer. Putain, j'arrive plus à parler. Alors, on va rentrer à la maison et je vais vous montrer mes équipements d'hiver au chaud avec un bon café. Par contre, qu'est-ce que c'est beau, hein, cette lumière là. Oh, c'est vraiment superbe quand même.